Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette rencontre. Les équipes sont arrivées il y a un peu plus d'une heure maintenant. Elles se sont échauffées dans de bonnes conditions. La pelouse est belle. Elle a été tondue juste à la bonne hauteur pour que le ballon glisse bien, aille rapidement. L'ambiance était plutôt bonne, malgré le ciel menaçant qui pourrait nous donner un peu de pluie plus tard. Mais pour l'instant, pas de gouttes. Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir d'être dans ce stade. C'est le moment de l'hymne national uruguayen. Et c'est parti! Les récupérations sans se livrer. Bétancourt. Bon service dans la profondeur. Et le ballon continue de lui coller au pied. Quelle passe! Ça peut être extrêmement dangereux. Il est lancé sur l'aile. Ça joue long. Mahrez bien servi sur le côté. C'est le moment de centrer. Mahrez. Quelle parade de Mousquera. Il ne se pose pas de questions. L'Algérie qui cherche l'ouverture. Slimani. Slimani. Oh, ils s'en sortent bien là, d'un cheveu. Luis Suarez. L'ouverture lumineuse. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Il joue long. Il y a peut-être un Cavani. Ah, il a failli en profiter. Danger repoussé pour le moment. Faut frapper là. Une autre chance. Sauvé par la barre transversale. Coup de sifflet, hors jeu. Attal. La passe dans la profondeur. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. C'était une bonne intervention. S'il le trouve. Dans la profondeur. C'est bien. Il tente sa chance. Et le voilà, le premier but. Alors Darren, votre analyse sur ce but? Il était au bon endroit, au bon moment. Dès qu'il a reçu cette passe, on savait comment ça allait se terminer. Au fond des filets. Bien, ça fait 1-0. Ils ont pris l'avantage, c'est bien, mais il faut pas arrêter là-dessus. Faut chercher à faire le break. Fégouli. Grosse occasion, Slimani. Retour à la case départ. J'espère que le match va être encore plus ouvert maintenant. Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire, applaudir.
Bravo. Et ça repart du rond central, égalité parfaite. Alors là, chapeau, hein. Voilà une superbe réaction. Ils ont su rebondir immédiatement après ce but encaissé. Ça joue long, vers l'avant. Bonne interception, il y avait danger. Le joli geste. Cavani. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Feghouli. Quelle intervention! Honnêtement, moi je la voyais dedans. Un long ballon vers l'avant. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. On nous annonçait la pluie, la voici. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Non, il n'a pas joué le ballon là. Bettencourt qui rejoue derrière. Oui, c'est bien défendu. Feghouli avec Mahrez. Il cherche la profondeur. Oh, c'est bien fait. Mahrez reçoit le ballon. C'est parfait, magnifique. C'est une occasion, ça. Joli tir, ça méritait d'aller au fond. C'est un spécialiste des frappes lointaines, celui-là. Et ils le savent. Alors, s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. Bien joué, ses passes en profondeur sont toujours dangereuses. C'est joué dans la profondeur. Oh, attention, il peut en profiter. Il tire et ça fait but. Une feinte, un tir, un but, tout y est là. Et regardez ça, il fait mine de tirer. Le gardien tombe dans le piège et boum, c'est au fond. Et voilà, avec un petit but d'avance. Ce n'est jamais facile de résister à une équipe qui joue sans va-tout. On ne s'est pas ennuyé, on a vu les buts et tout reste à jouer en seconde période. Et quel retournement de situation on vient de vivre, c'était fabuleux. La première période est donc terminée, qu'en avez-vous pensé? Mais laissez-moi reprendre mon souffle d'abord. Quel match! On a des buts, un scénario un peu fou, un retournement de situation. J'ai hâte de voir ce que la deuxième mi-temps nous réserve. Et 3 buts dans cette première période, le score 2-1. Bien, le jeu a repris, vous l'aurez déjà constaté. Caceres. Torreira. C'est joué long. Le bon ballon. L'interception au bon moment. Torreira. Laxalt. Longue passe vers l'avant. Mahrez, c'est joué long, attention. Il tacle, il y avait danger. C'est dommage qu'il ait gardé le ballon comme ça, alors qu'il avait des solutions de passe. Feghouli. Pour Vecino. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Va-t-il en profiter?
Mais ce ballon en retrait vers le gardien. Brahimi. Il y en a un qui a le droit à un traitement de faveur. Oui, il semble vouloir gêner la construction en l'obligeant à accélérer sa prise de décision. Fawzi Ghoulam. C'est une frappe. Et le gardien qui s'en sort d'un rien. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça, il faut pas se rater. La longue passe. Attention, occasion! Godin, qui cherche la profondeur. Oh, voici Cavani. Oh, c'est reparti, ils peuvent contrer. Il préfère jouer avec son gardien. Il met le pied, ballon récupéré. C'est joué long. Cavani qui écarte le jeu. Long ballon dans le sens du jeu. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Ça peut partir en contre. Ce ballon bien dosé. Mahrez dans la surface. Quelle défense, il y avait danger. Le bon dribble. Là, il peut centrer. Et il perd l'équilibre. Feghouli. Bonne lecture de la trajectoire. Ce contre peut très bien aller au bout. Brahimi. Il va provoquer. C'est un manque de finition tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Bien servi. Mahrez. Et il rate le cadre. On profite de cet arrêt de jeu pour effectuer un changement. Il était fini, crevé. Carbo, comme vous dites. Il fallait le sortir. Feghouli. Mais attention, le temps file. Il faut mieux utiliser le ballon. L'Algérie, qui peut se contenter maintenant de jouer la montre. Cette fois, c'est terminé. L'arbitre qui met un terme à la rencontre. C'est vraiment une victoire tactique magnifique de leur part. Ils étaient menés dans cette rencontre et ils ont réussi à totalement revenir au score. Bravo à eux. Comment un tel retour